Nous sommes réunis ici au lycée Saint-Charles, dans le centre-ville de Marseille. C'est un lycée qui est très ouvert sur l'international et qui accueille depuis 2014 un dispositif unique dans l'Académie d'Aix-Marseille, qui s'appelle un dispositif UPE2A Lycée Général. C'est une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants qui scolarise donc des jeunes adolescents migrants qui viennent d'arriver de l'étranger et qui font ici leur première année de scolarisation en France. Nous sommes posé la question de comment fonctionne ce processus d'orientation scolaire, comment se passe le vécu de leur scolarité, quels sont les processus de leur orientation scolaire à l'issue de ce dispositif et quel rôle joue l'école dans les trajectoires migratoires de ces jeunes. Cette recherche a surgi au croisement de deux champs thématiques que le laboratoire TELEM travaille depuis des années. L'un, le champ sur les migrations internationales, et l'autre, celui sur la géographie de l'éducation et les sciences de l'éducation. Les élèves allophones nouvellement arrivés en France, qui sont appelés institutionnellement ainsi, les EANA, sont un public en très forte croissance dans notre pays, puisqu'ils représentaient il y a une quinzaine d'années à peu près 3 élèves pour 1000 et qu'ils représentent aujourd'hui à peu près 7 élèves pour 1000 et des taux dans l'académie qui vont de 8 à 11 pour 1000. Marseille étant un espace très privilégié pour l'arrivée de ces jeunes, qu'ils arrivent avec leur famille ou qu'ils arrivent de façon autonome, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont des jeunes adolescents, en général âgés de 15 à 18 ans et souvent issus d'Afrique subsaharienne, qui sont un public de plus en plus important dans notre société. Ces jeunes, à leur arrivée en France, doivent passer des tests auprès du CASNAV, qui est le centre académique chargé de la scolarisation de ces élèves nouvellement arrivés. Selon leurs résultats à ces tests qu'ils passent dans leur langue maternelle, ils sont orientés dans une classe qui correspond à leur niveau. Dans cette recherche, nous avons pu reconstituer les trajectoires scolaires des près de 120 élèves qui sont passés par ce dispositif depuis 2014. Nous avons aussi, avec l'aide de Luna, une étudiante de master, avec l'aide de Paulina Palache, une postdoctorante du laboratoire TELEM, pu réaliser une cinquantaine d'entretiens avec ces élèves pour comprendre leur vécu de la migration, leur expérience de l'arrivée en France, le vécu de leur scolarisation, les conditions de leur orientation scolaire et pour qu'ils portent un regard sur cette expérience de l'école et le rôle que l'école pouvait jouer dans leur trajectoire. J'ai pu mener des observations, des entretiens avec les élèves du lycée Saint-Charles. Grâce à tout ce matériel, on a pu observer qu'à l'issue du dispositif UPE2A, ils s'orientent surtout en première générale et technologique, avec une prédominance pour la filière STMG, donc sciences et technologies du management. La moitié d'entre eux reste au lycée Saint-Charles et l'autre moitié s'oriente vers d'autres lycées du centre-ville marseillais. Près des trois quarts des élèves qui sont passés par le dispositif UPE2A obtiennent leur baccalauréat. Ensuite, près de la moitié poursuivent des études longues, donc à l'université ou en BTS. Donc ça peut être des filières plus technologiques. Et à l'université, un certain nombre choisissent des filières comme LEA ou encore LLCE qui font valoir leur plurilinguisme. Certains facteurs peuvent expliquer les trajectoires scolaires des élèves comme des éléments relatifs à leur parcours antérieur à la migration. En revanche, la non-maîtrise de la langue française ainsi qu'un âge tardif de première scolarisation en France ne semble pas impacter négativement les trajectoires scolaires des élèves. Par contre, ce qui impacte véritablement leur scolarité, c'est leur rapport entretenu à l'école et surtout le rôle déterminant de l'enseignant du PE2A, qui module leur trajectoire et qui participe véritablement à la construction de leur orientation scolaire. La recherche que nous avons commencée par cet établissement du lycée Saint-Charles est reproduite dans d'autres établissements et d'autres dispositifs UPE2A de l'Académie, qui sont beaucoup plus nombreux, plus d'une dizaine, en lycée professionnel, et qui accueillent des publics qui sont souvent avec un plus faible niveau de scolarisation, des jeunes qui parfois ont été peu, voire pas scolarisés antérieurement, et pour lesquels les problématiques sociales et juridiques sont souvent plus compliquées, puisqu'il y a dans ces dispositifs une part non négligeable de mineurs non accompagnés. Je suis professeure de français, j'ai suivi des études de lettres modernes et je me suis spécialisée dans l'enseignement du français auprès des publics allophones. Depuis sa création en 2014, je suis coordonnatrice du dispositif UPE2A du lycée Saint-Charles.
Ce dispositif, il est fondé sur un principe d'inclusion. Ce principe d'inclusion, c'est un double rattachement. Rattachement de l'élève allophone à un groupe d'élèves allophones avec lequel il va suivre un volume de 18h30 d'enseignement spécifique du français langue seconde et de scolarisation. Et rattachement aussi de l'élève allophone à une classe ordinaire de seconde avec laquelle il va suivre toutes les heures de cours de mathématiques, d'anglais et de PS. Ça, c'est le noyau irréductible qui fonde l'inclusion. Ensuite, à partir de là, l'emploi du temps de l'élève, il est modulable et il est évolutif. Modulable parce qu'on peut le personnaliser, ajouter des heures de russe, de danse, etc. Et évolutif parce qu'au fur et à mesure de l'année, au gré des progrès de l'élève, de ses souhaits, on va pouvoir agréger de nouvelles matières à son emploi du temps. La particularité de ce public, c'est que c'est un public varié du point de vue des langues et des pays d'origine. On a souvent des élèves issus des pays de l'ancien bloc soviétique ou du Maghreb, mais aussi véritablement des quatre coins du monde. Ce sont des jeunes qui subissent un grand nombre de changements dans leur vie, un changement de culture scolaire, de statut social, de statut au sein de leur famille. Ils subissent une précarité administrative. Nombreux sont les jeunes qui ont du mal à être régularisés au niveau des papiers. Et aussi une précarité économique et sociale. Précarité à laquelle ils n'étaient pas forcément, qu'ils ne connaissaient pas forcément dans leur pays d'origine. Tout cela peut créer des fragilités, mais on constate aussi que cela développe aussi chez eux de grandes qualités d'autonomie, de solidarité et de maturité. En tout état de cause, ce ne sont pas des jeunes qui seraient, par essence, du fait de leur allophonie, en situation d'échec. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de problème avec la maîtrise de la langue et parler une ou plusieurs langues, quelles qu'elles soient, n'est pas un handicap. Ce sont des jeunes qui sont au début d'un apprentissage de la langue, qui sont au début d'un processus de bilinguisme et qui vont très vite progresser, apprendre et in fine réussir. Ils ont besoin de temps, mais aussi de confiance. Quand on réfléchit à leur orientation, on doit se projeter dans l'avenir. On doit créditer ces élèves d'une marge de progression, de leur progrès futur dans l'apprentissage du français. C'est ça le combat que je dois mener en tant que coordonnatrice du dispositif. Au cœur de ma pédagogie, je vois deux axes importants à souligner. D'une part, l'entraide entre les élèves et j'encourage les temps de travail collectif, les moments où les élèves peuvent se retrouver pour travailler ensemble. Et aussi, je m'appuie sur l'expertise des élèves dans leur propre langue. Je les encourage à comparer la façon dont tel fait de langue va s'actualiser dans leur langue et en français, mais aussi dans une autre langue qui est partagée par tous les élèves et qui est l'anglais. Et ainsi, j'essaie de développer une compétence globale, une compétence linguistique globale et métalinguistique. L'idée, c'est de créer des ponts entre les langues pour créer une sécurité linguistique de l'élève, renforcer la confiance en soi par la valorisation du plurilinguisme. Ce plurilinguisme, c'est une spécificité qui est peu valorisée par l'institution scolaire. Et ça va être ça la grande difficulté pour un élève allophone. Ça va être de mener de front à la fois cet apprentissage du français, qui demande un effort considérable, et à la fois de continuer de progresser dans les disciplines du lycée. Je vois cependant deux leviers pour dépasser cette difficulté. Le premier levier, il est d'ouvrir les élèves à leur nouveau système scolaire et aussi les ouvrir à la culture. Il s'agit vraiment d'offrir des respirations dans l'année scolaire de l'élève avec une ouverture culturelle. Voir du théâtre, des films, des expositions, réfléchir à la notion de territoire, pratiquer des ateliers de théâtre, de chant, monter des films. L'autre levier, c'est au niveau de l'orientation. J'essaie de trouver des niches de réussite. D'une part, parier sur la voie technologique, qui est une voie précieuse de démocratisation pour les élèves allophones, parce qu'elle leur permet de mettre en valeur leurs qualités et de contourner leurs éventuelles difficultés.
D'autre part, pour les élèves qui choisissent la voie générale, il s'agit de stratégiquement et finement panacher le choix des spécialités en mettant l'accent sur leurs forces, les langues et les sciences. C'est ainsi que l'orientation peut contrer le rouleau compresseur institutionnel et permettre aux élèves allophones de réussir. Je m'appelle Anastasia, j'ai 19 ans et je suis une Ukrainienne. Ça fait 4 ans que je suis en France. Je suis venue juste après avoir mon brevet. J'ai passé mes tests en français, maths et ukrainien et j'étais admise au lycée Saint-Charles en seconde et en UPE2A. Cette année en UPE2A m'a permis de trouver mes premières amies en France. C'était une très agréable année avec mes camarades de classe et avec Madame Exbraya. On a beaucoup de temps passé ensemble. C'est avec eux que j'ai appris petit à petit le français, les habitudes des Français, la culture française et tout ce qui était nouveau pour moi. Les souvenirs que j'ai de cette année en UPE2A, c'est surtout les projets qu'on faisait avec la classe. L'un des projets, c'était la réalisation d'un film avec Luc Thévenin et les élèves, ce qui s'appelait La jeunesse d'aujourd'hui à Marseille. Donc, en seconde, c'était le conseil de classe. J'ai choisi d'aller en STMG, c'est sciences techniques de gestion et management. Et cette voie m'a plu beaucoup. En terminale, j'ai choisi marketing et c'était une très agréable année. Et donc, malgré le Covid, j'ai réussi mon bac avec la mention « très bien » et grâce à ça, j'ai pu avoir l'orientation que j'ai voulu. Et donc, j'envisage d'aller jusqu'à bac plus 5 avec un master en gestion et économie, en économie et gestion financière. Et je vais postuler un peu de partout, voire Sorbonne ou IAE de Réunion. Parce que depuis petite, je rêve de vivre sur une île et peut-être un jour, j'irai peut-être pour un an vivre quelque part ailleurs de la France. Et bien sûr, j'envisage de revenir dans mon pays d'origine, en Ukraine. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible à cause des questions administratives. Mais j'espère d'y aller un jour, de voir ma famille et mes proches. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ray, j'ai 17 ans, je viens d'Ukraine. Ma langue maternelle est russe et je suis élève de la classe de P2A. En Ukraine, il me restait un an et demi. J'ai passé mon brevet et après je suis partie en France. Pour aller au lycée, il m'a fallu passer un examen. J'ai passé mathématiques, anglais et après je suis arrivée au lycée Saint-Charles. Tout d'abord, pour moi, mon arrivée en France, c'était un bouleversement culturel. Je ne savais pas que merci, pardon. Il m'a fallu apprendre plein de choses. Et la classe de P2A, elle a retourné ma vie 180 degrés. C'est vraiment quelque chose énormément qui m'a beaucoup aidé. Je trouvais ça vraiment c'est nécessaire. J'avais besoin de ça. Et cette classe où on apprend des choses, non seulement que le français, l'orthographe, la grammaire, notre professeur, Madame Exbraya, elle nous apprend plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire la pétanque, le cinéma français, plein de choses culturelles. Et moi, ce que je trouve, c'est vraiment important. C'est l'enseignement. Je ne sais pas, c'est ce qu'on entoure, c'est un entourage culturel. Maintenant, deux fois, je trouve que je suis plus informé que les autres. Je sais plein de choses au niveau de l'architecture, au niveau de la musique, parce que c'est notre professeur qui nous dit plein de trucs, plein de choses, c'est pas seulement l'enseignement tout à fait structuré, c'est vraiment un tour, 360 degrés autour. Moi, j'étudie au lycée Saint-Charles et ce lycée, il est vraiment très diversifié. Il y en a beaucoup de nationalités. Des gens viennent de partout. Je me suis fait beaucoup de copains, des amis. On se parle, on parle de l'orthographe, on parle comment tu écris ça, on parle de sujets qui sont vraiment importants. Qu'est-ce qui se passe en France? Parce que ça arrive, on parle en français, on essaye. Deux fois,
C'est compliqué à arriver à parler français et c'est seulement les amis qui viennent d'ailleurs qui peuvent vraiment te comprendre et vraiment t'aider. Par rapport aux études prochaines, moi j'ai choisi d'aller à la voie générale. Je choisis histoire, géographie, sciences politiques, mathématiques, anglais, monde contemporain. Moi, je pense que la voie générale, c'est vraiment, c'est le choix, c'est la liberté. Tu peux choisir ce que tu veux, tu peux t'exprimer comment tu veux. Et moi, je sais, je dois remercier toutes les personnes qui m'ont mis de l'énergie pour y arriver. Et moi, je trouve que moi, je dois continuer mes études parce que pour moi, les études, c'est une richesse.